Bonjour, bonsoir, comment vous? Jeudi à nous pour l'autre vidéo pour nous. Déjà, je souhaite que nous en forme, Jeudi à nous, venons parler de un sujet qui est vraiment important. Sujet ça, c'est vrai, en pile dans nous, dans la vie, nous croiser avec, mais nous pas rendre compte l'importance et danger qui est la donne. C'est courant électrique. Mes amis, son sujet, moi, j'ai environ 8 ans depuis que m'a pensé avec lui pour que moi dé une plateforme pour que moi parler de lui. 8 ans de cela, moi pas gain Samtop Info. Kounya moi gain plateforme ça qui c'est Samtop Info. Donc c'est moment pour que moi partager disons connaissance moi avec nous sur point ça qui c'est courant électrique. Gain pile bagaille que m'étais capable dire nous de courant, mais jodi a m'a seulement basé sur deux bagailles qui c'est courant 110 volts et courant 220 volts. Hey, pas oublier majorité dans nous là, et qu'à suivre Samtop Info, nous tap vive Haïti ou bien tout na vive Haïti. Dans commencement année 2010, après un tremblement de terre qui était passé 12 janvier, donc en pile haïtien quitté Haïti et al vivre dans pile pays Amérique du Sud, donc Argentine et Chili, Uruguay. Donc c'est pays ça seulement pour me dire donc que pays ça yo yo servi avec courant 220 qui différent avec pays nous Haïti disons cap dit tout États-Unis qui servi avec 110 volts. Combien dans nous là qui t'es sur Haïti avec un chargeur téléphone par exemple 110 volts et puis une chili avec lui ou essayer plugger il va marcher. Dis-moi s'il t'est entré seulement dans prison, dis-moi qui ça t'est passé. Combien nous là tout qui t'est Chili et puis nous prend route États-Unis nous arrivé. Et puis pas oublier que nous avons un chargeur qui c'est 220 volts et puis nous aux États-Unis nous plugué lui dans une prise 110 volts. Donc téléphone pas chargé ou bien tout dim expérience pour. Bon non, et j'aime dire nous il y a pile bagage que nous avons dit de électricité, mais nous allons essayer paraître plus bas pour tout le monde capable essayer comprendre. Côté histoire 110, 120, ça apparaît. Et pour qui ça a un pays qui servit avec 110 et pour qui ça a un pays qui servit avec 220. Dans la fin 19e siècle, tu as une guerre qui était la guerre des courants. Tu as deux nègres qui ont fait une bataille idée dans les affaires courantes. Une était Thomas et l'autre était Tesla. Donc c'est deux mondes qui ont fait échange idée. Donc qui ça Thomas lui-même lui t'a encouragé. Il t'a encouragé que tout le monde servit avec courant DC et qui a fonctionné avec une source de 100 volts. Donc, quand on parle de courant DC, c'est un courant que vous pouvez manger. Exemple, un courant que vous jouez dans une pile. Si vous avez manger deux bonnes piles, donc vous pouvez sentir le courant qui a traversé. Donc, lui-même, Thomas, il a trouvé que le courant ça est important pour servir parce que il pas de danger. Et Tesla lui-même, c'est un serbe. Donc, il est venu avec courant alternative. Donc c'est courant qui pour lui-même qui était plus facile pour transporter. Donc il était moins cher et risque que te gain la donne c'est une courant qui très fragile donc qui catrio non fait ce côté courant qui l'on prend donc ou même qui arrive pour qu'on pourrait le faire zigzag. Mais malgré tout Thomas a adopté courant alternatif là donc mais te équipe baza ou bien sous là 110 volts. C'est ça qui fait pratiquement en pile pays dans Amérique là utiliser courant 110 à 120 volts. Seulement Paraguay, Argentine, Chili qui utilisait 220 volts. Mais tout le reste de l'autre pays servait avec 110 ou 120 volts qui parce que pareil. Mais tant que pays Afrique, Asie, en pile pays en Europe, ils utilisaient et courant 220 volts ou bien 240 volts qui c'est presque tout près. Scientifiques dans affaires courant, yo faut comprendre que courant 110 à courant 120 volts gain en pile différence même dans utilisation yo. Qui est-ce qui plus bon? Normalement courant 110 volts là ou utiliser plus intensité l'air que ou utiliser. Donc disons pour faut comprendre ça me là, li bouler plus et ou besoin plus câble pour faire river côté besoin maintenant. Et tandis que courant 220 volts là, li bouler moins intensité et ou besoin moins câble pour mener une côte vle mener.
on va faire nous comprendre plus bien pour moun ki pa wè ki sa ka passer en dans yon cap diyon en dans chaque courant yo. Donc un prend exemple yon tuyau gen yon lo ka passer en dans. Donc m'a prend exemple ça pour nous capable wè différence là. Tuyau ça li gen yon lo ka passer en dans, pas vrai? Donc regardez avec qui pression la passer. Pression ça la considérer comme pression 110 volts là. Là, nous ka wè que d'eau ça a tombé sous papier ça mais li pas déplacé papier. Donc ou en pile l'eau mais pas déplacé papier. Donc on nous changer format. C'est toujours même tuyau là mais on va changer pression ou bien force là. Donc on nous garder là. Là que moins changer force là, nous wè moins d'eau. Wali moins d'eau a passé mais il y a plus force mais c'est ça qui c'est courant 110 avec courant 120. Donc nous ouais tout à l'heure là nous passer d'eau à bien fort c'est courant 110 donc il pas pousser papier mais là nous descendre avec en pression wali il une pif fait moins d'eau qui sorti mais il ca couper papier et puis capable déplacer papier. Donc ça c'est différent entre courant 110 et courant 120. Donc qui ça qui plus danger? Oui, si me prend gros ça cap frapper avec force 220, m'a frapper le sous comme après li pi bouler que ça que m'tap sorti avec courant avec force 110 là. Donc c'est vrai gagne plus de tomber mais li pas fait mal. Nous venons former différence là, les qu'on gagne 220 cap servi Chili ouvrir la Haïti c'est yon COVID. Donc ou même cap voyer radio et télévision frigidaire en Haïti li mande pou fon penser est-ce que la possible. Donc oui, li ka possible à moins que les que appareil ça arrive Haïti ou sou gen yon transformateur. Yon transformateur tant pou ça ou prendre la converti courant 110 volts la mettre dans 220 volts. Laisse ça ou ka utiliser appareil que ou voye Haïti. Donc sou Chili ou bien Argentine ou pensez-vous ayant appareil en Haïti, donc pensez mille fois est-ce que ou a gagné un transformateur. Donc laisse ça pour capable utiliser bien. Donc si que ou pas bien transformateur, mieux vaut que ouvrez comme là en Haïti et puis monna ou bien famille là acheter appareil que li veut utiliser tranquillement pour que li fonctionne. Ça me dit là mes amis, li pas seulement pour même qui vivre Chili, soit vivre en France ou à vivre en Afrique, tout voulez voir appareil en Haïti, pensez mille fois parce que pays ça yo yo servi avec 220 vols appareil ça pas fonctionner. Mais soit vivre dans l'autre pays tankou Mexique, Brésil et États-Unis, oui, ou ka voir parce que c'est même type courant ça qui servi dans pays ça yo qui même avec Haïti. Là ça oui, ou capable voir mais si c'est dans l'autre pays qui servi avec 220 vols, réfléchis avant ou voyez. Donc mes amis, vidéo ça nous fait parce que nous pensons que grand pile et moun kap suiv nou ki ignore et différence gen entre courant 110 volts et courant 220 volts. Donc nous te content pour que informe yo. Alors m pa konn ki so ap tann, kounya pou chèche konnen peyi ki wap viv la ki courant ki utilize la dan. Est-ce que c'est 110 ou bien 220 volts? Allez chèche konnen et puis lò fini écri nou commentaire di Samuel bon peyi ke m ap viv la m konn qui voltage qui utilise la donne. Donc si c'est 220 ou bien 110 volts. Donc mes amis, pas oublier vidéo ça, c'est important pour que vous partagez avec un autre qui pas connaît qui ça qui courant 110 et courant 220 volts. Ciao.